Polo Quantum 2010 159. Donc board vraiment freestyle, pure freestyle avec un Shep Twin Tip. Donc c'est vraiment la board pour s'amuser à faire des petits kickers partout, à sauter dans tous les sens. Bonne réception, c'est battu avec une bonne réception. Bon, après on va prendre son vitesse avec, c'est une bonne accroche. Toi tu fais 85 kg, t'es d'habitude sur des boards plus freeride, voilà, donc là... j'ai quand même essayé d'appuyer un peu trop dessus, donc bon... On sort un peu du programme de la board. Voilà, dans les petits kickers, dans les petits boss, là ça tourne comme à rien, ça pose bien, c'est très joueur. Au niveau du pop? Bah très bon pop justement, très bon pop, faut le trouver, hein, faut aller le chercher un peu parce que c'est vrai que c'est une board quand même assez rigide, et donc... voilà, une fois qu'on l'a, et ben on est calé, puis on saute dans tous les sens quoi. Ouais voilà, donc bonne accroche quand même, passage ouais, caraca bien. Rapide. Non, bien. Bonjour. Une bonne petite freestyle wide, là testé en 158 wide chez Flo. Voilà. Avec les NXT AT. Donc toujours une référence dans la gamme back-in chez Flo. Merci.